Alors, le logiciel est une des deux grandes composantes de l'informatique, l'autre étant le matériel. Le matériel, c'est les circuits électroniques qui vont effectuer effectivement les calculs. Avant, on parlait de cerveau électronique, mais ce ne sont pas des cerveaux, ce sont des muscles. Un ordinateur est quelque chose d'extraordinairement bête, qui calcule extraordinairement vite et exactement ce qu'on lui dit de faire. Et tout le problème est de lui dire les bonnes choses, et ça, c'est le logiciel qui le fait. C'est un peu comme un four ou une plaque de cuisson, ça ne fait pas la cuisine, c'est l'esprit du cuisinier qui fait la cuisine en agençant des opérations. Et le logiciel, c'est agencer les opérations que va faire les circuits. Le logiciel est écrit dans des langages, qu'on appelle les langages de programmation, qui sont très variés et très riches. Et un logiciel, c'est souvent quelque chose de très gros. C'est-à-dire une recette de cuisine, ça fait une page. Un logiciel, par exemple, pour piloter un avion ou pour faire tourner un ordinateur, ça peut faire des millions de lignes. Ce ne sont pas des choses qu'on peut même imprimer à l'heure actuelle. Donc, ce sont des objets complètement intellectuels, très difficiles à réaliser et qui sont susceptibles d'avoir quelque chose de bien dangereux. J'espère que vous avez un glossaire dessus qui est le bug.